Parce que la vie est un combat. Et ça, c'est l'anniversaire. Oh! Dans l'ambiance d'un football. Vas-y, regarde, ce que j'ai offert comme cadeau à mes enfants. Anniversaire, hein. Mais c'est quoi ce chat, t'as le trou du cul? Mais what the fuck? Et là, vous avez Ibrahim, c'est une star américaine du NBA. Et là, vous avez l'anniversaire Mehdi Ossiala avec son nom. Comme vous voyez, là, c'est la grosse cuisine, les beignets, et hein, là, la famille, bismillah. Ils ont fait la police quand ils ont galère. On fait ça. Haricots. Oh, des haricots. Oh, c'est des haricots. Ça, c'est des haricots de jardin. C'est des meilleurs haricots. Les hors du jardin. Des haricots. Ouais, ils sont tellement bien. Vas-y. Ah, tu vois, je suis content que tu aies venu avec le petit ouvrier. Il donne bien. Ouais, c'est vrai. Ah, tu vois, bah, ça me dit. Il a augmenté la chaleur, il a augmenté, il m'a dit ça. Et bah, moi, ça me dit, bah, cool, non? Bah, cool, quoi. Tu vois, comme petit Congolais, tu vois, mais au moins, que bah, mon nom, ce Bakuna, on dit, mais comment, qui réunit tout le monde, voilà? Et ça, me dit, hein? Parce que, non, mais j'ai dit à Mehdi, ça me fait plaisir de voir beaucoup de gens. Voilà. On n'a pas l'habitude, on est toujours seul, machin, tout ça. Il dit, oh, ça me fait plaisir. Il dit, mais t'entends, mais c'est ça le but. C'est ça le but. Il est complice aussi. Ah, but. Oui, Babini. Babini, allez. Mais dis, Zabi, rentre dans la go. Oh. Bon, attends, on va dans ça. Oh. Bon, Massa. Bon, est-ce que ça vous convient les beignets? Beignets. T'as déjà mangé les beignets? Les beignets, t'as déjà mangé? Si tu vois, c'est comme, tu vois, comme une... Non, si tu vois, quand à la foire, parfois, tu vois, ils mettent des trucs beignets avec toi. Mais, tu vois, ouais, mais c'est ça. Mais nous, quand je dis ça, nous, on le fait à l'africaine. Parce qu'il n'y a pas tout ce truc, mais c'est la simplicité. Mais c'est après, quand tu vas le goûter à la banane. Et tu vois, que moi, quand je dis ça, nous, on a grandi comme ça en Afrique. Tu vois, vous avez des laises, hein, les petits trucs. Nous, ce qu'on avait, c'était ça. Ça, c'était nos gâteaux, quoi. Parce qu'on ne pouvait pas atteindre les supermarchés à l'européenne parce que c'était trop cher pour nous, quoi. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit, mais tout est accessible. Tu vas au GB, tu voles, tu prends, on ne fait rien. J'ai dit, la vie est belle ici. Et que ça, les beignets là, quand tu vas les goûter, tu vas revenir à l'Afrique. Et après, tu arriveras à la porte de Namur. Porte de Namur, ils vont te voir. Tu vas commencer à parler Lingala. Ils vont dire, mais comment? Non, c'est un beignet. C'est un beignet à Lingala. Ils vont dire, on ne parle pas de... Ils vont commencer à donner à fumer gratuit, quoi. Mais là-bas, ils vont donner à fumer gratuit. Jamais, ben, enculé, quoi. Il donne les... Regarde, là-bas, il donne des poussières. Tu vois, les poussières. Moi, je dis, ah, mon frère. Attends, j'ai dit la petite tête. Poussière de pute. Mais non, tu vois, on a trouvé des meilleurs dealers. Tu vois, même ici, à Boisfort, hein. Tu vois, les maintenant, regarde ça, regarde. Tu vois, les systèmes comme ça. Ça, moi, j'ai jamais connu. C'est Amélie qui m'a appris ça. Je lui ai dit, c'est quoi? C'est la tête de... El Chapeau, qu'est-ce que ça veut? Et vous, après, il y a la bœuf, je dis, oh putain, ils sont forts. Ils nous mettent El Chapeau, ils nous mettent même Macron, tu vois Macron? Oh, j'adore ça, quoi, putain. Des fumeurs, tu vois. Les dealers ont transformé dans la fume, dans le bonheur, quoi, tu vois. Yo! Allez, vas-y, va. Soulève-toi, putain, de faire. Bien, bien, bien.
Voilà, parfait. Là, c'est parfait, mais l'expérience qui donne la force du corps. La force, voilà, la force. La force doit naître en toi. Et bientôt, ton permis de conduire, mon grand, tu vas le réussir avec l'amour. Bismillah. Ramane Rahim, je suis dans la main, mesdames, Toulou. Hey, Mehdi. Tu sais qu'est-ce que j'ai appris? Regardez, regarde, j'étais parti pour aller faire les courses. Comme c'était un peu trop longtemps, je suis parti, j'ai attendu vers la gare. Et après, j'ai attendu vers la gare de Uccle. Et il n'y a pas. Il y avait un type qui était assis. Mais c'était un type de, qui avait 63 ans. Ouais. Et après, j'ai commencé à discuter. Moi, je dis, moi, je dors dans la forêt de soigne et tout. Hein? Et lui, après, il m'a dit, tu sais quoi, il dit, non, Vincent, j'ai loué un garage. Écoute ça. J'ai loué un garage. Il m'a dit, mais je dis, mais tu as quoi? Qu'une lumière? Il me dit, qu'une lumière? Je dis, mais tu peux m'électriser? Il me dit, dans 2 ans, je suis pensionné et quand je reçois ma retraite, comme toi, tu peux recevoir, je peux la recevoir où je veux. Et je dis, mais tu vas aller où? Il dit, oh, je vais aller au Portugal. Hein? Et après, mais... non, le type, regarde, j'ai rencontré, non, regarde, il était là, dans le banc. Moi, je croyais que c'était quelqu'un qui dormait dehors, un clochard. Après, il me dit, non, moi, je reçois l'adresse de résidence, comme Raphaël Lefer. Mais lui, il a trouvé un garage. Pour ouais, abriter. Non, au CP, c'est la reste de résidence. Ouais. Mais non, lui, il a trouvé un garage, comme quoi il dort dans le garage. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Mais non, les CP, elle le paye. Mais non, lui, il a dit, ça, on le paye, ça fait 900 aidés. Il dit, ça fait des années. Maintenant, il dit, moi, j'ai pas envie d'aller chercher un appartement parce que dans 2 ans, je reçois la pension. Et quand tu reçois la pension. Bah, tu sais combien? Non, quand tu reçois la pension. Ah, ouais, c'est à vie. Non, oui, oui, tout seul. C'est un autre secteur. On ne touche pas à ça. Tu peux mais toucher non, où tu veux. À vie, oui, mais tu peux toucher où tu veux. De 67 ans. Mmh. 67 ans qu'il a. Non, 65 ans. 65 ans. Mmh. Jusqu'à sa mort, il va toucher la pension. Voilà, voilà. Mais veut, voilà. Mais non, lui, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, mais il dit. Et après, il m'a dit, regarde ce qu'il m'a dit. Ouais. Il m'a dit, en 2050, c'est toi, tu restes. Moi, je suis déjà mort. Toi, tu restes 51 ans. On a fait ton calcul. Il paraît qu'en 2050, il n'y aura plus le système qu'on a. Oh, tu dois payer ta pension toi-même. Donc, ouais, mettre, comme aux États-Unis, tu as une assurance. Oui, mais maintenant, moi, je l'ai dit. Oui, mais moi, j'ai dit, mon fils, je l'ai préparé. Parce que quand il aura un boulot, il peut être chauffeur poids lourd. Et même si c'est un système maintenant flamand qui est venu, il comprend un peu. Il va s'en sortir. Parce que tu vois, quand tu as un boulot, tu peux aller, surtout quand c'est des boulots pas précaires comme dans les restaurants. Regarde, ceux qui sont bloqués dans les restaurants, les chauffeurs poids lourds sont pas bloqués. Ça continue? Non, ça continue. Chauffeurs poids lourds, il y a les blocages dans les restaurants, dans les autres trucs, mais chauffeurs poids lourds, ça continue. Voilà. Mais il dit, c'est pour ça que toi, quand tu as choisi ce secteur, moi j'ai dit à Raphaël, j'ai dit toi, Mehdi, il a choisi un secteur rassuré. Mais Raphaël, tu vois, lui, il voudrait te dire. Oh, j'ai dit à Raphaël, Mehdi, il faut les. Il y a pas ça, les oignons sont. Non, en bas là-bas. Vas-y, on le sait. Ouais. J'ai dit à Raphaël, écoute, tu vois, Mehdi, il a un rêve. Moi, je le supporte dans ce rêve. Mais non, toi, si ton rêve, c'est devenir indépendant, mais tu n'es pas formé, n'incite pas Mehdi. Parce que tu vois, si tu veux mener les gens à ta bataille pour dire, venez vers moi, tu prends Ibrahim, tout le monde, tu montres que tu as ouvert une société, ça marche. Après, il m'a dit, oh Vincent, non, je vais demander si je peux faire une formation comme article 60. Parce qu'il sait qu'il n'a rien et que là, quand il a eu ça, moi je lui ai dit la vérité. J'ai dit, Mehdi, je m'en fous. Mehdi, moi je ne l'ai pas incité à ça. C'est que moi j'ai vu, je dis, ah, il aimait bien conduire. Il dit, ah, Mehdi serait bien, tu es là, tout. Et après, il a pris plaisir, mais moi je ne vais pas inciter en disant, Mehdi, non, c'est pas bien. Parce que quand j'entendais Raphaël, c'est comme s'il voulait vraiment me casser en me disant, Vincent, ce qu'il fait là, c'est rien. Dis qu'il va venir avec moi. Quand... Moi, je dis, tu vois, Raphaël. Ce que tu dis, laisse. Mehdi, il fait ce qu'il y a et que moi je le soutiens. Mais non, si toi tu réussis dans ta société parce que tu veux faire ça, ouais, après, même appelle-moi, même si je suis vieux, je veux venir travailler avec toi. Mais c'est pour te dire que tu vois,
J'ai dit, Mehdi, il doit suivre ses rêves. Toi, tu dois suivre tes rêves. Ibrahim, suit ses rêves. Le petit Congolais, suit ses rêves. Pourtant, vous n'êtes pas dans les mêmes rêves. C'est pour ça, Mehdi, jamais quelqu'un peut venir surmonter ta pensée en disant que maintenant, je dis, oh, mais pourquoi Mehdi a changé? Parce que quelqu'un est venu rentrer dans ton esprit et il t'a dit ça. Jamais. C'est impossible. Parce que le choix que toi, tu choisis. Voilà. Yeah, motherfucking on. Bon, qu'est-ce que tu dis pour ton anniversaire? Vas-y, allez. Ouais, je dis ça, ça t'as le bonheur. Et putain, regarde. Mais dis, ils m'ont donné tellement de choses. Là. Tu vois, moi, je savais pas que chez eux, il y avait des. Tu vois, des trucs un peu comme brocante. J'ai vu plein de choses. Que je pouvais prendre. J'avais un. Il y avait un DVD. Tu mets les DVD, les anciens. Après, j'ai dit, ah non, je vais choisir autre chose. J'ai pris ça parce que j'ai vu que l'anniversaire, c'est pas parce que tu dois, ah, tu as donné un GSM ou quoi. Ça peut être une tasse. Peut-être que tu te rappelles que cette tasse, ça fait partie de ton anniversaire et que ton anniversaire, il vient se fêter avec une récolte. T'imagines, on aurait pu ne rien avoir. On fait d'anniversaire, pas de récolte. Mais on a la récompense qu'on a une récolte qui nous promet que l'anniversaire nous dit que vous êtes valable. Vous pouvez encore le faire. Vous êtes valable. Et ça, c'est ce qu'on dit, motherfucking non, le suis. Yeah, man. Yeah. That's the people. We want to say, yeah, it's from Brussels. It's the people, it's play, that's. And the world is the best, you know? You don't see that? We see the color for love, motherfucker, and the world, the people, and the sweet. Ah! What is that? Yeah, it's Snoop Dogg. Yeah, I know Snoop Dogg. I need to smoke ganja. Ooh. Bah, regarde, mon frère, je suis sûr parfois, je passe des soirées comme ça. Avec un autre dealer, hein, connard. Ouais, mais bon, j'ai jamais envie de le frapper. Non, parce que tu vois, il me faisait à activité ça. Je suis. Après, je dis, bon, je mérite quand même. Le type, il avait un kilo. J'ai dit, putain, espèce de pute, tu me donnes ça. Je sais pas jouer, hein. À partir de là, j'ai commencé à prendre la bouche chez lui. Il m'a dit, moi, je veux bien venir assister à tes matchs, mais je veux pas rester comme ça quand j'ai pas envie de fumer. Après, j'ai commencé à fumer. Mais après, j'en ai eu marre. Après, il dit, laisse tomber parce que le type, il a l'impression qu'il me guide. C'est chez moi, c'est moi qui donne la bume, fais ça, fais ça. Il dit, ah, parce que tu crois que je suis un toxicomane, espèce de truc. Tu vas voir, moi, j'ai fait 50%, je vais m'en sortir. Après, j'ai plus été chez lui, après, j'ai commencé à l'insulter. Il dit, toi, je me suis en sortie, même je, tu te dealer ou quoi, tu crois que tu allais m'avoir parce que tu allais m'acheter. Tu m'as pas acheté, je m'en sors moi-même, espèce de pute, quoi, tu vois. Tu vois, être derrière quelqu'un qui donne sa meuf, après que toi, c'est comme si toi, il peut pas t'arriver quelque chose. Tu peux arriver à un problème, j'ai ta meuf. Mais lui, il va venir t'en vouloir. Disons que moi, je prends des risques pour toi, mais s'il m'arrive quelque chose, c'est moi qui dois payer pour toi. Parce que toi, tu es dans mon boss. Bah, t'es enculé, quoi. Et lui, après je l'ai écrasé, j'ai dit, toi, moi, où je suis arrivé de prison à ça, c'est pas toi qui m'as mis là. Donc, c'est pas ta bœuf qui va m'influencer parce que tu vas m'acheter. Donc, va te faire dégager, quoi, tu vois. C'est comme ça. Regarde, en prison, je te dis, on voyait pas des gens qui étaient là, qui avaient de l'admiration pour eux, quoi, tu vois. Le petit dit, oh, ben, sors-toi. Tu vois l'argent qui arrive. Les gens qui l'aiment quand ils dorment, ils disent valable, tatata. Le type il sort, voiture, on vient le chercher, tard. On l'a pas laissé, on l'a pas lâché. Hein. Et que les potes qui sont dehors quand tu fais des trucs qu'ils connaissent, c'est des vrais potes.
va sortir, tu vas jamais dans la galère. Ils vont te remonter. Mais les fils de pute, il y en a. Tu sors, tu n'as rien. Toi, tu sais que tu as fait des trucs avec eux, maintenant ils te nient. Il y a tellement la haine, tu as envie de faire la peau, quoi, je suis sûr. Les gars, la beuh là, Christian, c'est un tabou que j'ai fumé. Parce que j'ai toussé des poumons. Pourtant, j'ai été montré le cannabis que j'avais. J'étais le roi de la couronne. Putain, lui m'a baisé, quoi, tu vois. Ah ouais, bon. Merci à toi. Montre-moi un peu, attends, excuse-moi. Montre-moi un peu ton tatouage. Excuse-moi. Montre-moi un peu ton tatouage. Là, regarde, montre. Attends, Vincent, attends, t'inquiète, il ne va pas mourir un peu. Il est beau, quoi. Je vais pas arriver à le soulever jusqu'en haut. Il est beau, quoi. Tu vas pas ici, SMP. Regarde. C'est une... Elle pleure. Attends, il y a pas un autre truc là. Si, là, Rico. Ça, c'est quoi? Ça signifie quoi? C'est un les intègres. C'est quoi ça, c'est une roulette. C'est quoi ça? Joker, non? Ça, c'est juste une roulette avec des dates significatives. Ça, c'est quoi là en bas? Joker. Ok. Ah, mais tu en as d'autres. Et là, c'est quoi? Une colombe, regarde. Je vais te montrer. Le mien. Tu vois, regarde. Non, ça. Non. Vas-y, la vie. Tu crois que c'est la souffrance, hein? C'est mental. Ça c'est l'épaule. Et ici, c'est les os. Regarde, il prend la scie ici. Il fait ça, tchac. Toi, tu vas faire la résistance. Je dis, arrête! Je fais pas ta voix. Je dis, écoute, je résiste pas. Moi, j'ai commencé à maîtriser. Attends, je souffle comme moi quand je respire. Les gens ils tracent. Je fais comme ça. Juste quand c'est fini après une deuxième. Et celui-là, moi celui-là quand je l'ai fait, il était en Thaïlande. Il dit à mes je vais m'acheter une bouteille d'alcool. J'ai commencé à prendre la bouteille d'alcool comme ça. Après je suis retourné dans le salon, j'ai dit, vas-y, tu peux aussi, ça y est. Le lendemain, je retourne, je fais le love. Qu'est-ce qui passe à sa mère? Papa, il est fou! Il est retourné, il est parti mettre le love! Le love, c'est pour dire qu'on a gagné, quoi, tu vois. On était en Thaïlande.